Alors, re tout le monde. Bon, bah voilà. Alors, bah désolé, hein, ça a bugué, j'ai OBS qui a planté, du coup ma partie a planté, du coup tout a planté, et du coup, bah là je suis super emmerdé en fait, parce que il joue alors que normalement c'est mon tour. J'ai pas joué mon tour d'avant, du coup, bah là je suis complètement mort. Voilà, je suis à la ramasse. Ah, d'accord, donc c'est revenu et ah bah non, abuse pas non plus. Ah bon? Ok. Bon bah du coup ça m'a reconnecté, mais bah voilà, je me suis fait rouler, hein, donc c'est magnifique. Bien joué. Allez, finis-moi s'il te plaît. Merci. Bien joué. Allez, allez. Que faire? Ah mais dis pas merci. Bonne fête du voile d'hiver. Du coup, j'aurais peut-être pu m'en sortir, c'est dommage. Je dis bien peut-être, hein, parce que je vois que j'ai chopé mon éclair de givre, ça me permettait de finir avec un ping sa créature. Je pouvais larguer Antonidas. Au tour d'après, là, je vois que j'ai chopé l'ennui au tronc, donc du coup, j'aurais. Bah alors. Du coup, je l'aurais posé pour protéger Antonidas. J'aurais freeze sa créature avec mon éclair de givre et j'aurais balayé des boules de feu à tir l'arigot. Et bah, c'était dans la boîte. Sauf que du coup, là, ça va pas. Alors, je quitte Hearthstone. Désolé pour cet écran noir. Je relance de suite. Donc normalement Hearthstone devrait replanter encore une fois, non? Ok, bon bah c'est bon alors. Bon bah vu que ça a planté, qu'on a perdu, du coup ça donne quoi? Non, c'est pas ma collection qu'il faut regarder, c'est quoi? Journal? Ouais c'est ça, donc oui, rang 15. Ok. Donc par contre le bras de fer je l'ai pas fait cette semaine. On va faire ça ensemble, créer un deck. Et bah c'est qui le patron? Le boss de donjon va vous aider à construire votre propre deck, hein, mais obtenez un pouvoir héroïque de boss aléatoire chaque fois que vous l'utilisez, il change. Bah on va se recréer quoi? On va se faire tiens notre petit un petit deck prêtre, allez tiens. Mon petit deck prêtre pourrait être pas mal. Ça. Un cercle de soins, par contre, il m'en faut un. Ça. Alors, ensuite, on a dit quoi? On a dit ça. Oui, bien sûr, Pyro, ça m'arrive de faire des duels avec mes viewers. Aujourd'hui, je suis axé ladder parce que c'est vraiment la dernière journée avant la fin de saison. Mais là, même là, hein, si vous voulez, moi perso, le ladder, je suis pas. La deuxième fois qu'ils mettent celui-là de bras de fer. Ah, tiens, pourtant, il me semblait l'avoir vu pendant pas mal de temps. Allez, tiens, c'est les viewers qui vont faire un deck. Allez, go, je vous laisse faire. Vous me dites, vous vous mettez d'accord, je vous laisse faire. Voilà. Donc allez-y, je vous écoute. On va faire le bras de fer ensemble. On va jouer interposé comme ça. Donc allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que je mets dedans? Alors je sais que vous connaissez pas mes cartes, j'en ai un peu. Je suis pas pété de cartes non plus, mais bon, j'en ai quand même pas mal. J'ai des bonnes cartes aussi. Donc allez-y, allez-y, allez-y.
Ah oui, alors attends, attends, attends. Ah ben, ok, Pierrot, deux crocs zombies, je vais les mettre. Par contre, dites-moi avec quel héros jouer. Alors, les trois decks que j'utilise généralement, c'est toujours les mêmes. C'est prêtre, mage et paladin. Donc, bah, si vous voulez me faire jouer d'autres decks que je sais pas jouer, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, ok, alors. Ok, alors, apparemment pas là, donc pas là. C'est parti. Hop. Alors, on va déjà commencer par les créatures. Donc, créatures de niveau 1. Allez-y, je vous écoute. On a dit deux crocs zombies. Après, vous pouvez me faire faire un deck Reno Jackson, hein, si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout par deux. Hein. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites le deck. On va essayer de faire un deck potable, hein, pas un deck troll. Je perds assez facilement, donc j'ai pas besoin d'un deck troll. Alors, une égalité. Non, après, les sorts pas là, on verra après. D'abord les créatures, on fait dans l'ordre. Comme ça m'évite de chercher un peu partout. On va d'abord faire donc les créatures niveau 1. On a deux crocs zombies pour commencer. Deux consacres. Ah bah bon, d'accord. Alors ok, allez-y, envoyez. Alors, une égalité. Alors bon, on va faire ça comme ça. Alors, une égalité. Deux consécrations, deux championnes en vrai argent. Ok. Deux mini-robots blindés. Ok. Ensuite. Deux régiments de bataille. Ok. Bah, égalité si on met enfin si on met deux consacres, à la rigueur, je mettrais bien deux égalités aussi, mais bon je vous laisse faire. Alors deux jongleurs de couteaux, ok. Ranger ça aussi. Révèle un serviteur chat deck, si le vôtre coûte plus, gagne une durabilité, j'ai looté ça dans les. Alors, deux jongleurs, ok. J'ai pas le chasseur de gros gibier par contre. Alors attends, chasseur de gros gibier, chasseur. Création. Alors attends, on a dit. Oh, et puis le chasseur de gros gibier en plus, c'est une carte 4, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est quoi? C'est 3 là? Ouais, c'est ça, 3. Ouais, mais 400 quoi. Voilà, 400 poussières juste pour un deck, là ça m'intéresse pas trop. Le rouage marteau, c'est l'arme du pala. Pour dire la vérité, je l'avais, je l'ai dispel. 3 mana? Ouais, non, mais je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais là, je viens de voir en fait 400 poussières pour un chasseur de gros gibier. J'avoue que c'est une bonne carte. Mais a priori, si on gère bien l'égalité, la consacre, on a de quoi se débarrasser, même avec une bénée des rois ou une connerie. Alors, on a dit. Attends, 2 secondes. Ah, ok, une humidité, humidité. Elle est où? Ah, humidité, ok. Ouais, je sais, ouais. C'est vrai que c'est pratique pour défoncer une carte 7 et plus direct, quoi, sans se prendre la tête. Et en plus, ça fait une créature sur le board. Donc, effectivement, je sais que c'est une bonne. Non, non, mais je sais, vous inquiétez pas, hein, je prends vos conseils en considération, mais c'est vrai que j'essaye de, comment dire, d'économiser un max de poussière pour faire plutôt des decks solides où j'ai déjà beaucoup de cartes, parce que j'ai pas énormément de cartes dans certains decks, donc
Garde de paix Aldor 2. Alors, il est où le monsieur qui change la vie? Ok. Pour l'instant, on n'a que 2 monstres de niveau 1 et 4 monstres de niveau 2. 2 déchiqueteurs pilotés. Ok. Une gardienne d'Uldaman. Alors, la gardienne d'Uldaman, lui, il est... Alors, 2 crash vases, ça par contre, je sais où c'est 5. Ok, alors, en raid, c'est 5 aussi. Et on m'a dit une gardienne d'Uldaman. Alors, la gardienne d'Uldaman, par contre, je sais pas du tout... Ça me dit quelque chose. Alors, un Tyrion. Et une impôt des mains, ok. Une gardienne d'Uldaman. Alors la gardienne d'Uldaman, je veux bien le niveau s'il vous plaît, parce que ça, je la connais mais je me rappelle pas du niveau pour aller la chercher. Alors, un intendant, ça tombe bien, j'en ai qu'un. Et un boom. Boom. Ok. 4 mana, carte paladin, d'accord. Voilà, une gardienne d'Uldaman. Il nous reste encore 4 cartes. Je vous laisse la curve hein, sous les yeux pour... Horeb, c'est fait. Juste comme ça, on n'a pas énormément de sorts. Hein. À part égalité consacre, on n'a pas de béné des rois, on n'a pas de truc pour piocher là, je sais même plus comment ça s'appelle. Je suis doué hein, quand même pour un mec qui joue. Alors, allez où? Là. On n'a pas de faveur divine. Un robot de soins antique. Il reste 4 cartes hein les gars. Et on a presque pas de sort, hein. Juste comme ça, je tiens à vous le rappeler au cas où. Donc un robot de son en sick, une justicière au cœur vrai. C'est quoi ça, ça me dit quelque chose ça. Un truc de cœur vrai, c'est où ça? On a dit quoi? Justicière au cœur vrai. Alors ça par contre, aiguillez-moi. Alors, 2 béné des rois. Et il nous reste une carte, et on a dit donc. Ouais, des béné des rois, je les ai pas en or. Et on a dit donc la justicière au cœur en vrai, c'est quoi hein? Classique 6 mana. Classique 6 mana. Ah, oui, d'accord, pour booster le. Ouais. Je sais pas si ça vaut le coup de. Enfin si ouais, faire pop de trucs avec l'intendant, ouais, je vois le truc. Allez, voilà, ça sera la DR. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Après je ferai un petit AFK bio. Et je pense que ça sera peut-être plus cool en fait pour vous de faire un deck arène. Peut-être que j'irai faire une arène tout à l'heure, je sais pas, je verrai. Comme ça, pour les decks, on a toujours 3 propositions pour faire un deck. Chacun peut donner son avis, je trouve que c'est plus sympa en fait. Après c'est vous qui voyez... Victoire ou la mort. Ah bah génial. Alors ça déjà, ça dégage. Alors ça déjà c'est mieux. Je suis passé légende avec ce deck à 2-3.
chaque fois qu'un joueur joue une carte, quoi. Voilà, toi déjà, tu m'emmerderas plus. Ensuite, je vais face un peu par contre. Vu qu'il va pas spécialement me faire beaucoup de dégâts. Je le ferai bien sur mon petit machin là. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon il va utiliser son pouvoir. Ouais, tu vois, on a pensé à la même chose, Skychris. Bah écoute, moi Noël, ça s'est bien passé en famille, hein, tranquille, rien d'exceptionnel. Ah, dommage. Dommage, mais bon, c'est fini, donc. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Nice. Nice. Ouais, alors, voyons voir. Ouais, y a pas eu le proc, mais le Dr. Boom qui sort là, c'est pour le. J'ai pas à me plaindre. Deux fois, il a fait deux fois, j'ai utilisé le sort, enfin une fois lui, une fois moi, et à chaque fois, ça a fait pop des bonnes créatures. Donc là, franchement, je suis pas déçu. Donc on va aller voir ce qu'on a gagné dans ce pack de cartes. Même pas une légendaire, que des cartes que j'ai déjà. Pour Noël, ils auraient pu m'offrir une légendaire quand même. Ouais, d'accord. J'avais une carte sur 5. Enfin, j'avais 4 cartes sur 5, pardon. Waouh, magnifique. Donc, je fais un petit AFK bio et j'arrive tout de suite. Et si vous voulez du dur, hein, allez-y, hein. Le ladder c'est pas non plus d'une importance capitale. Donc j'arrive tout de suite. Alors, re tout le monde. Ah, il n'y a plus de musique. Non, Sky, j'ai pas Jaraxxus, pardon.
Tiens, je vois qu'il y a du monde, en plus ça participe, vous savez quoi les gars, la musique c'est bien, mais les playlists, voilà. Donc du coup, je vais mettre le Nightbot. Si vous avez envie de mettre de la musique, je pense que pour les habitués des streams, vous connaissez le principe, hein. Point d'exclamation, song request, espace et votre lien YouTube pour mettre un peu de zik sur le stream. Ce serait cool en fait. Voilà, l'auto DJ, tout est mis, ça c'est bon. Faites-vous plaisir. Alors du coup, combien qu'on a? On a 175 PO. J'ai gagné un match avec le Pala. Je vais en refaire un en bras de fer. C'est plutôt sympa. Et on devrait gagner 40 d'or en plus, je crois, un truc dans le genre. Non, c'est pas ouvrir des paquets. 40 d'or en plus, voilà. Allez, c'est parti. J'ai pas, faut savoir Sky que j'ai pas mal de cartes, c'est vrai, mais j'ai commencé à jouer il y a quoi, grand max 3 mois à Hearthstone. Donc je trouve que ouais c'est ça 3 mois, ouais, j'ai fait 3 saisons. Donc ouais j'ai commencé à jouer il y a 3 mois à Hearthstone, c'est pas non plus Donc pour avoir des cartes voilà. Ouais. Merci Fight. Pyro, Pyro. C'est bon, t'es dans la boîte, loulou. Oh, vas-y, le tour 2 direct, une 7-7 sur le board, et je suis censé gérer ça, quoi. Mais bien sûr, t'as bien raison, t'as bien raison. Mignon. Alors, on va essayer ça. Oh, normal. I'm on the box. Ouais, t'es dans la boîte, ouais. Comment on va faire ça là? Parce que du coup, je suis bien emmerdé en fait dans l'histoire là. Ouais, pas trop le choix de toute façon. Faut bien que je joue. Oui, c'est mieux dans la boîte que sur la boîte, mais bon. Ça marche aussi. Bah alors, marche pas Nightbot là, il marchait bien tout à l'heure, ça marche plus? C'est pas le genre le mec en plus il joue à Tisflamme et tout. Pff. Ok, le mec il m'a déjà mis, il m'a déjà fait violence quoi le gars. Il me tue au prochain tour, c'est royal. Salut Dandiken, bienvenue à toi sur le stream. Oui, il est dans la catégorie info, juste sous le stream, dans où trouver Aspirine. T'as un petit encart avec toutes les façons de pouvoir me retrouver pour jouer avec moi si vous voulez. On va essayer comme ça. De toute façon, je pense que je suis mort au prochain tour. Voilà. J'aurais même pas dû jouer de cartes. Comment plier une game quand le mec en face de toi, au tour 2, il a déjà une 7-7 sur le board, quoi. Nya Bon joué. T'envoie une demande de duel juste après, hein. Pyro, j'essaye de faire ma quête journa.
Sheila. Vous l'avez cherché. Je combattrai avec honneur. Génial. Vas-y, un Mégatron, l'autre direct. Voilà, ça, franchement, ça me saoule. Active un tronc aléatoire, t'es mort de rire, quoi. C'est toujours le même qui sort. Non, non, au lieu de 7-7, pourquoi pas une 5-5. Ouais, j'aurais dégagé le lanceur de couteau plutôt, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On va faire ça. Ça lui fait 6, 5. Il a pas son ping par contre. C'est quoi? Place un sort dans votre main. Attends, je sais même pas pourquoi je me prends la tête en fait. Et, par contre, un mec intelligent aurait d'abord joué la. Un mec intelligent aurait d'abord joué la Béné des Rois à 1. Avant de renvoyer l'autre carte dans la main.